Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour un petit tuto afin de réaliser un baume pour les coussinets pour votre chien. Avant de commencer, je vais vous parler du blog sur lequel j'ai trouvé la recette. Vous trouverez le lien en barre d'informations. Il est composé donc de plein d'articles pour réaliser vos produits vous-même, donc vos produits cosmétiques pour vous, humains, ou éventuellement pour votre chien comme c'est le cas aujourd'hui. Donc vraiment n'hésitez pas à aller visiter ce blog car vous allez forcément trouver une recette à votre goût. Tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo, je les ai trouvés au magasin Aromazone qui se trouve sur Paris. Vous pouvez également trouver tous ces produits-là directement sur leur site que je vous mettrai en barre d'informations. Ce sont exactement les mêmes prix, sauf frais de port éventuels que vous pourrez payer. Pour information, tous les prix seront affichés en barre d'infos. Et pour réaliser cette crème, ça m'a coûté environ 4 €. On va maintenant passer à la recette. Vous avez besoin de cire d'abeille jaune, d'huile de coco, d'huile d'amande douce, de glycérine végétale et d'un petit pot en aluminium de 80 ml. Au préalable, vous allez faire fondre sous un filet d'eau chaude votre huile de coco afin de pouvoir la faire sortir de votre flacon. Au bain-marie, vous allez faire fondre 3 cuillères à soupe de cire d'abeille jaune. Donc j'en ai mis un peu trop personnellement, il aurait fallu en mettre un peu moins pour que le baume soit un peu moins dur à l'application. Vous attendez que le tout fonde bien avant de mettre 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Ensuite, vous pouvez arrêter le feu et mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce. Après cela, vous pouvez rajouter une bonne grosse cuillère à soupe de glycérine végétale, voire une cuillère et demie. Et enfin, vous pouvez mettre le tout dans votre pot et laisser refroidir avant application sur les coussinets de votre chien. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me donner vos avis, à liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !